mon Père, merci. Révèle-nous ta pensée en ce moment. Nous voulons vivre dépendant d'elle. Yes. Dis-nous, donne-nous la meilleure nourriture qu'il faut pour l'instant dans notre vie. Amen. Parle. Serviteur, écoute. Amen. Parle. Tes enfants t'écoutent. Amen. Parle. Nos esprits disposés t'écoutent. Parle. Nos âmes ont soif de ta parole. Je verrai que le bien-aimé chante l'Iloba Souka. Les hommes Minayo Yambo, c'est pour la boko yode. Chante ça en acapella. Sans le Seigneur va descendre. Iloba Souka. Matthieu 25, à partir du 14e verset jusqu'au 34e, je lis la parole du Seigneur Jésus. Amen. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens.
Il donna 5 talents. Et cet homme partait pour le voyage. On ne dit pas que cet homme partait pour la mort. Yes. Écoutez-moi, d'aucuns quand il parle du Seigneur Jésus ne se limite qu'à la pensée des yeux morts. Mais vous oubliez une chose, après la mort, écoutez-moi, Jésus était sur la terre avec ses disciples pendant 40 jours, 40 nuits, d'après l'Exode des Apôtres, chapitre 1er, n'est-ce pas, les 3 versets. Et je te rappelle, dans mon premier livre, après avoir parlé de tout ce que Jésus avait fait, après avoir donné des ordres à ses disciples, jusqu'à ce qu'il soit monté au ciel, il est réellement ressorti vivant, restant au milieu des 40 jours. Et cette fois-là, il enseignait des choses qui concernaient le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Ça veut dire, écoutez-moi, Jésus est mort, oui. Mais ce qui a permis à Jésus d'y retourner au ciel, c'était pas la mort. C'était plutôt l'ascension. C'était la montée. Yes. La mort n'a pas servi à Jésus pour qu'il s'en aille. Bien au contraire, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous comprenons ceci. Et en disant Jésus est mort, Jésus est allé plutôt prêcher les esprits en prison. Mais écoutez-moi, que signifie voyage contrairement à la mort? La mort n'est voyage définitif. Ça veut dire que la personne n'y retournera plus. Mais ici, on dit le maître voulait s'en aller en voyage. Le voyage, c'est comme la mort. À la différence, c'est que le voyage a un timing bien défini. Il y a des espoirs de se revoir, des espoirs d'y retourner quand on parle de la mort. Mais par contre, quand on parle du voyage, on est sûr que la personne ne se trouve quelque part et il rentrera peut-être un jour, si Dieu le veut. Amen. Alors le maître et le grand esprit Jésus, lui, son ascension exprime un voyage. Parce que la Bible dit, il est allé nous préparer une place et il y retournera. Amen. Donc le maître dont on fait allusion ici, c'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est lui qui est parti après avoir donné, n'est-ce pas, ses talents à ses disciples. Après avoir exprimé quelques ordres qu'il a imposé à ses disciples que nous sommes. Il s'en est allé retourner un jour. De donner attention. Je vous dis, le maître qui nous a appelé, le maître qui nous a fortifié, de le mettre à tout moment qui est retourné. Parfois, tu n'as jamais compris cela. Il en sera maintenant qui part pour un voyage à la Seigneur. Il est là, c'est serviteur. Écoutez-moi. Il n'a pas appelé la famille. Oui, on parlait des familles, non. On dit qu'il appela ses serviteurs. Il y a la notion administrative qui intervient là. Écoutez-moi, frères et sœurs, Dieu, dans ses penchants de développement, quand il nous amène à des dimensions spirituelles beaucoup plus élevées, parfois il nous fait quitter de cette orientation. Le vous-même père et nous ses enfants. Là, c'est par rapport à ces mystères d'adoption, bien aimé, qu'on trouve la valeur de cette familiarité. Mais évidemment, lorsqu'on grandit avec lui, le Seigneur nous fait quitter de la pensée familiale pour nous faire introduire dans la pensée administrationnelle. En ce moment-là, les choses de l'esprit quittent le stade bien familier pour que ça devienne, bien aimé, écoute-moi, l'administration. Et là, il n'y aura plus de père. Non, il n'y aura plus un papa pour la famille. Alléluia. Il est encore père pour les enfants. C'est moi, vous. Il est encore père pour ceux-là qui, à peine entrés dans la vie du royaume, ne savent pas comment développer leur charisme, ne savent pas à quel sens c'est voué afin d'être unis, n'est-ce pas, à leur Dieu. Mais quand on a grandi, on a compris, on est devenu fils, il y a la dimension des responsabilités qui interviennent. Écoutez-moi, la Bible dit, tant que l'héritier, c'est-à-dire l'enfant du Père, devait encore
ne fera rien. Alléluia. Écoutez-moi. Tant que l'héritier, voulais-je dire, demain, enfant, voilà, il ne fera rien d'esclave. Si chaque enfant a un père, personne n'aime pas pour les conduire. C'est ce qui se passe maintenant dans ta vie. C'est tous les jours qu'on vient pour dire la même chose pour les fautes que tu ne cesses de commettre. C'est que l'héritier est enfant. C'est ce moment-là que tu es esclave. Mais quand tu deviens fils, je dis en toi, il y a la notion de la responsabilité d'intervenir. En ce moment-là, écoute-moi, Dieu ne sera plus pour toi un père, mais il sera un boss. Amen. C'est un patron. Amen. Écoute-moi, il y a quelque chose qui s'est dit en adage. En adage, là, ici, on dit c'est une famille, mais ça n'a qu'au bendana, car c'est canadien. Parce que l'administration ne pardonne pas. Amen. Tu commets un acte le matin, bien aimé, automatiquement, in facto, yes, tu es blâmé. Et c'est qu'il y a continuation, automatiquement, il y a suspension. Amen. Et chaque degré d'après faute commise. Il y a de cela, écoutez-moi, qui conçoivent encore l'alliance en termes familial. Mais moi qui vous parle, je vous conjure à ce que cette alliance devienne une administration. Et comme dit serviteur, c'est comme qu'il est employé. C'est-à-dire que l'employeur, le seigneur, reconnaît qu'il a des agents qualifiés. Il a réellement engagé. Waouh! Formidable. Amen. Vas-y mon ami. Le 15 verset. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. À chacun selon la capacité et il partit. Écoutez-moi. Jamais les choses divines, Dieu les a partagées à ses enfants, à ses employés, de manière équitable. Raison pour laquelle tu remarques qu'il y en a des choses ou de ces choses qui te seront permissiblement impossibles de réaliser parce que ta conscience dira. Par contre, le même faute, les autres les commettent sans limite. Et sans aucun penchant des mecs qui puissent toucher leur moralité intérieure. Ça veut dire leur conscience. C'est que ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas, bien aimé, avec moi, la même compétence qui, n'est-ce pas, est donnée à l'autre. Dieu regarde la dimension de la compétence de la grâce qu'il a placée. Amen. Et Dieu donne à chacun selon ses capacités. Raison pour laquelle celui qui enseigne se voit plus grand que celui qui arrange, n'est-ce pas, les chaises dans une église. Mais ne te passe pas en pause, non. Dieu a seulement donné à chacun selon ses capacités. Amen. Peut-être que la personne qui enseigne manque de liberté. Yes. Mais à toi, Dieu a donné une compétence liée à cette grâce. Amen. Peut-être que celui qui donne de manque une disposition ministérielle à l'ordre des évangélisés au sens vocal. C'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité d'enseigner. À chacun de nous, donner quelque chose. Et écoutez-moi, le Seigneur n'appelle que pour dompter. Quand le Seigneur t'appelle réellement, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui est placé en toi. Le problème, c'est peut-être que tu ne l'as pas encore découvert dans ton inconscience. Mais c'est lui, quand il appelle, il donne, il déverse, n'est-ce pas, il dose selon là ou même les capacités d'un chacun. Oui. Le 16e verset. Aussitôt, celui qui avait reçu le 5 talents s'en alla, le fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu le 2 talents gagna les autres. C'est celui qui avait reçu le 5 talents. Ça saute dans l'image du monde, le chiffre 5. Avec ses 5 continents,
parce que l'Égypte représente le monde. Et le monde, c'est un homme. Raison pour laquelle vous allez regarder que l'époux avait deux catégories d'épouses. On parle des cinq sens, c'est l'image d'une personne. C'est ça le monde dans sa contenance humaine. Dieu peut te renchérir. Dieu peut te merveilleux en te donnant mon frère les capacités humaines. Il peut te donner la beauté, il peut te donner la force. Ça, ce sont des capacités d'ordre humain. Il peut te donner de l'intelligence. Ça veut dire des facultés adaptatives qui fonctionnent et rapides. Elles sont des grâces que Dieu donne. Mais écoutez-moi, chaque monde doit comprendre que ces capacités doivent t'amener à donner naissance à un autre monde. Parce qu'elle est doivent donner naissance à un autre saint avant que la loi soit accomplie au chapitre 10. Okay. Écoutez-moi, tout ce que Dieu te donne par rapport à l'humain, lorsque tu ne les fructifies pas, pour Dieu, tu es un raté. Alors cesse de te contenir uniquement avec ta beauté, même si ça te donne quelques résultats. Pose-toi la question, est-ce que ma beauté m'a ramené à Christ? Est-ce que mon intelligence sert le Seigneur le Christ? Est-ce que mes capacités de force servent, n'est-ce pas, le Seigneur le Christ? En ce moment-là, tu peux te dire que mes cinq ont donné naissance à un autre cinq. Et tu es dans le destin, dans la loi de Dieu. Or, la loi spirituelle, il faut concevoir les choses de cette manière. Vas-y, mon ami. Les deux versets. Celui qui en avait reçu un, à la fin. Tu as sauté le verset 17. De même, c'est lui qui avait reçu les deux talents en gagnant deux autres. Ça veut dire qu'il y a une deuxième personne. Et en même temps, on a pris deux. Yes. Alors, les chiffres de moi nous ramènent à l'alliance. Alléluia. Amen. Or, les deux doivent amener au chiffre. Yes. Parce qu'on parle des deux, on parle de l'homme et la femme. Mm. Quand on parle des deux, on parle de la force. On parle aussi de la faiblesse. Papa, c'est l'image de la parole qui est l'évangile. Dans le haut et le bas, dans la force et la faiblesse, moi j'ai des démons. Yes. Que les faibles disent qu'il est fort. Amen. Dieu merveilleux. Amen. Ne restez pas avec les chiffres. Deux. Parce que la Bible dit de deux. L'Éternel a fait un qui est lui-même qui est la parole. Bats-toi. Tu vas gagner encore deux autres. Il y a encore des alliances, bien-aimés, qui vont te fortifier. Quand l'ancien et le nouveau, bien-aimés, seront gagnés en toi, Christ sera Seigneur. Là où l'Esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Va maintenant avec ton verset. C'est lui qui en avait si qu'un à la faire un creux de terre. Il y en a un autre. Et d'après vous, ça donne un. Yes. C'est Dieu. Tout passera dans le monde sa multiplicité d'états. Et toi, sa pluralité de mes confusionnels. M'écoutez, confusionniste. M'écoutez-moi. S'il va rester, c'est un. C'est la parole. Amen. La parole là est représentée par l'évangile. Et cet évangile est démontré dans la Bible à travers. Ça fait rester deux. Le fait qu'on en voit quatre représente toujours le même. Écoutez-moi, il y a une personne qui est assurée. Yes. Lui n'avait laissé qu'un seul. Mm. Ce sont des personnes quand ils se regardent, ils se frappent la poitrine. Attention, le 1 là peut devenir une distraction. Aussi à les multiplier,
C'est les centres qu'ils ont Jésus. Ils doivent comprendre que ça, c'est un enfant qui nous a aidés. Mais il faut en avoir tous les deux. Il faut aussi que le Fils qui est le don, qui nous a donné, alléluia, soit déversé en vous. Il y a des ceux-là qui pensaient en avoir un seul, qui s'est frappé la poitrine. Et lorsque le Christ était arrivé, et il parlait de Moïse, il parlait tout ce qu'il savait par rapport à la loi. Or, ils ont mon essentiel. Ceux qui croient, j'arrive. Ceux qui se disent en moi, je suis déjà la comble de ce que je cherche, doit comprendre qu'il manque encore un idéal. Et cet idéal véritable, c'est Seigneur Jésus. C'est sa présence qui manque. Celui qui avait reçu un talent, oui. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre. Il alla faire un creux dans la terre. Et cacha l'argent de son maître. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, il y a des creux. Laissez-moi vous dire que parfois nous-mêmes, nous faisons par rapport. Nous creusons. Écoutez-moi. Nous-mêmes, nous sommes modulateurs de cela sans le savoir. Car la vraie terre, ce n'est pas celle autour de vous. Non. La vraie terre pour Dieu, qui a besoin, n'est-ce pas, de la sémence, c'est ton cœur. Écoutez-moi, chacun dans son temps doit vérifier. Il y a des creux, ma boulou, autre tout moula, mais ton si pas talent. Le jour où tu as abandonné la CM, ça représente pour un creux. Le jour où tu as abandonné la cette jalousie, ça représente pour un creux. Dans ton cœur. Le jour où tu as abandonné la creuse pour ma balance. Ça met ton sang la comme colonie sur l'émission. Moi, dans mon bal, il y a le moins servi. L'émission a le moins à 4 administrations et caca. Mais le problème, il n'y a pas de résultats pour ceux-là qui sont experts en creusant dans leur cœur. Parce qu'en ces moments-là, écoutez-moi, la chair va rendre l'esprit sans force. Il n'y aura pas la pluralité des talents. Mais non, mais si quel temps nous est imparti. Écoutez-moi, je vais vous parler de quelques contrastes. Parabole des talents. Ça te concerne, ça me concerne. Premier contraste. Je vais lire le verset 14. Le 14e verset. Il enseigna comme des gens qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Attends, appela qui? Ses serviteurs. Appela qui? Ses serviteurs. Le premier contraste est qu'il fait avec Jésus. Le fait d'être attrapé n'assure pas la victoire de la course. C'était des serviteurs. Ça veut dire qu'ils s'étaient engagés. Ils avaient droit au salaire. Et le maître les reconnaissait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il connaissance vis-à-vis du Seigneur, c'est l'appel que nous recevons de vous. Mais le fait d'avoir un appel authentique ne justifie absolument pas que Dieu vienne de cette course. Tu sais quand on t'appelle, tu peux maîtriser aussi la voix. Raison pour laquelle plusieurs se trompent parce qu'ils ont la connaissance. Amen. Ça veut dire qu'ils peuvent exprimer, monter même à d'autres ce que le maître a dit. Mais c'est pendant qu'ils ont échoué dans leur parcours. Bien aimé, la personne qui avait, n'est-ce pas, cueillé ses creux en elle, dans son cœur, sur la terre, c'était une personne qui était considérée comme un descendant. Qu'est-ce qui a perdu? C'est celui qui n'a pas reçu beaucoup, qui a reçu un parfait. Surtout ceux-là qui s'y croient être bêtes dans la liste de Dieu. Parce qu'ils sont utilisés par grâce. Parce qu'ils manifestent beaucoup plus leur tonique. En matière, n'est-ce pas, charismatique. S'ils tromperont par rapport à la réalité spirituelle. Bien aimé, faisons attention. Faisons attention. Ils étaient tous serviteurs, mais ils échouent parmi eux. Ce n'est pas le fait que tu as appelé. Ce n'est pas le fait que les gens témoignent de ton appel. Ce n'est pas le fait que tu gardes connaissance.
seulement entendu l'appel, la reconnaîtra ou les reconnaîtra comment? Au moyen de l'entendement. Ça veut dire, il dira oui, oui, c'est parce que j'ai entendu. Ce n'est pas le fait que nous sommes basés dans des bons enseignements. Yes. Ah non! Ah non, c'est le chisson. Ça ne rassure en rien. Alors en rien. L'appel n'est qu'un départ. Mais ça ne représente pas une finalité. Car il est venu chez les siens. Ça veut dire qu'il était compté comme lui appartenant. Mais on dit, écoutez-moi, plus on foulait la grâce au pied. Les siens ne l'ont pas reçu. Ce n'est pas le fait de dire oui que tu exécutes réellement la mission ou la demande que je t'ai faite. Pour laquelle l'Église est trop la bienaise des discussions. Ce sont des émissions que je n'aime pas. Parce que c'est pour quelle finalité? Personne. Chacun vient vous montrer de quoi, qu'est-ce qu'il connaît. Voilà, voilà, voilà. Oh, Dieu n'a pas besoin de tout ça. Faisons attention, ils sont tous engagés. Deuxièmement, on dit, et leur ami, c'est bien. Tous ont été possesseurs de bien que le maître a donné. Deuxième contraste. Ce n'est pas le fait de posséder les talents, les grâces ou le bien divin qui te rassure de la victoire. Non. Tu peux posséder de tout. Au point que lorsqu'on t'utilise, tu es utilisé plus que tout le monde dans l'église. Et tout le monde qui te suit, n'est-ce pas, accueille-le. C'est tout le monde qui est derrière toi, Lukana Nunzambe. C'est la possession charismatique, mes frères et sœurs, qui assure quelque chose. Amen. Il a reçu un bien. Mais cependant, il a échoué avec le bien. Yes. Bien écoutez, il est en train d'acclamer par rapport à un charisme, à un don. Mais tu échoues avec cette excellence naturelle. Amen. Les spirituels te disent, je les connais pas. Il faut réfléchir. Ça, c'est le deuxième passe. Les professeurs ont beaucoup de charisme. Waouh! Waouh! Troisième contraste. Tous ont été envoyés, mais tous n'ont pas réagi à la mission qu'on lui a demandé. Je vais me limiter là pour aujourd'hui. Tous ont été envoyés, mais tous n'ont réagi de manière fixe à l'attente du maître. Il y a des ceux-là, les deux premiers, qui ont formulé, n'est-ce pas, la meilleure résolution face à l'attente du maître. Donc, celui avec ses seuls talents n'a pas réagi conformément à la demande du maître. Amen. Mon frère, Dieu t'a envoyé en mission, donné une mission spécifique, une charge déterminée. Cela ne t'assure pas la bénédiction. La bénédiction, c'est lorsque tu réponds et tu fais exactement ce qu'il te demande. Amen. Je connais pas mal de gens à qui Dieu a demandé des choses, à qui le Seigneur, pour le bénir, les a ramenés sur la voie, n'est-ce pas, de les charger quelques missions. Mais c'est pas quand ils n'y répondent pas. Mais tous les jours, ils sont la demandeur, c'est la demandeur dans la présence de Dieu. Yahweh Pessa, Yahweh Sa. Mais écoutez-moi, il y a un grand mystère. Lorsque tu es engagé, lorsque le Seigneur déverse tes talents en toi, et lorsque tu réponds favorablement à la mission qui t'a été confiée. Amen. Pose-toi une question. Est-ce que tu réponds à la mission? Il y en a encore d'autres qui essayent de répondre, mais pas suivant les schémas décrits par le Seigneur.
Je connais même ceux-là qui disent partout Tambaza. Nzambe na yo à cause de partout. Oh, il n'y a pas si ça dans un endroit bien déterminé. Amen. Et il te montre un chemin pour y arriver. Amen. Avec toi dans sa volonté. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur est venu, n'est-ce pas, pour te présenter ces trois contrastes. Afin que, premièrement, tu puisses raisonner parce que tu es entouré de mauvais. Cependant, Dieu peut te faire sortir de ces mauvais jours. Deuxièmement, c'est pour abandonner l'orgueil. L'orgueil, écoutez-moi, c'est la vie de rêver ou de rêveur. Tout celui qui rêve passe par l'orgueil. Vis la vie d'humilité. Amen. Amen. Parce que l'état est grand, que le reflète, l'exclamation, les applaudissements de son. Troisièmement, c'est pour que tu sois son alliance. Mais rien ne remplace l'alliance. Quatrièmement, c'est pour que tu sois protégé au jour. Tu as besoin de la protection divine. Amen. Et cette protection divine va te rassurer. Et cinquièmement, c'est pour que tu puisses réussir à tous ces biens. Bien-aimé, tiens compte, observe ces trois contrastes. Réfléchissons. Donne plus de temps dans la méditation. Crée une certaine dévotion en la matière. J'ai dit la vérité, tu réussiras. Ton plateau dira à Josué, que ce livre de loi, que ce loi ne prend de ta bouche. Observe les jours et les nuits. Et parmi le résultat, il dit, tu réussiras. Je prie au nom de Jésus-Christ. Tu es qui est venu ici pour être la parole de Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que mon frère, ma soeur qui me sortit de ce moment. Il y a moto yo a salané liso yo. Bate a zio yo. Mais l'on connaît aussi Isaac Tianakati et Koufa. Et salané. Histoire de Souka. Alors qu'on devait parler de la continuité de l'île. Et à ville, jusqu'à ce que surveille Jean-Baptiste. C'est connu comme le second élu qui devait venir. Bien aimé, écoutez-moi. Pour toi, il y aura une continuité au nom de Jésus. Secret. Faites tout ce qui est bon, agréable et parfait. Pourvu que l'œuvre d'évangélisation, bien-aimé, puisse couler en tout épanouissement. Et deuxièmement, écoutez-moi, demeurez connecté. Alors fidèlement connecté à nos adresses YouTube Amial TV et puis Facebook Amial Kigoma. Notre numéro de contact, le 080 88 11 043. L'adresse de l'église, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, avenue Kigoma, numéro 153, commune de Kinshasa. Que le Dieu du docteur évangéliste Béline Zonta, le Dieu d'Amiens, ou les amis de l'Alliance en Jésus-Christ, que ce Dieu-là puisse vous bénir. Allez, shalom, shalom, au nom de Jésus-Christ, shalom. Merci mes frères et sœurs.